Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est Lewis, comme vous savez, de toute façon vous le savez, je sais pas pourquoi je le dis, mais enfin vous le savez, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous le savez, ou alors c'est que je me retrouve dans un site complètement flou, obscur, je ne sais quoi. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis très content de vous retrouver, comme d'habitude, voilà, c'est tout, allez, salut! Est-ce que vous êtes observateur? Si je vous montre par exemple ce logo-ci, et ce logo-là, ah, lequel est le vrai? Lequel est le faux? On se le demande. Vous dites celui-là? Ah, vous avez perdu. Ou alors c'est moi qui ai gagné. Je vous propose de jouer avec moi. On va voir si vous êtes observateur. C'est parti! Donc on a Pringles avec le petit machin là, et ouais, bah pour moi c'est celui-là d'office, celui de droite, parce que j'ai pas, en plus il est un peu mal fait parce que c'est pas le même noir, ah on les a vus, là c'est un peu gris et là c'est noir, donc pour moi c'est celui de droite. J'ai gagné, enfin c'est la première manche, hein, mais enfin c'est pas grave. Logo suivant, alors, ouf. Tesla, qu'est-ce qui change? Ah, je crois que c'est celui de droite aussi. Ah non, c'est celui de gauche! Alors, Coca-Cola... ouais, Coca-Cola, c'est... Ah, merde. Non, je crois que c'est celui de gauche, ouais. Il y a la boucle du C qui va dans le L. Ouais, c'est ça, j'avais... Bon, alors, Sprite ou Sprite, qu'est-ce qui change? Alors, selon moi, c'est celui de gauche aussi. Ouais. Ouais, je dirais celui de gauche. Oui, c'est bon, je suis super bon. Alors, Pepsi. Là, je vois pas ce qui change. Hein, je... Ah oui, ok, le bleu et le... Ok, j'ai rien dit, d'accord. Moi, machinalement, j'aurais tendance à dire que celui de gauche est le bon. Et en même temps, j'ai envie de dire, ça dynamise un peu le fait que le bleu soit au-dessus et le rouge en dessous. Oh, je sais pas. Ouais, je crois que c'est celui de droite. Non, j'ai perdu. Ah, c'est celui de droite d'office. Je sais pas pourquoi je le sens, c'est celui de droite. Le bleu est au-dessus, je pense. Voilà, le pire c'est que c'est une application que je ne vois jamais, je n'utilise quasiment pas. J'ai un compte sur TikTok, j'ai qu'une vidéo, donc si vous voulez vous pouvez aller me suivre sur TikTok. Oui, je sais pas pourquoi ça me parlait plus. Alors eBay c'est celui de gauche d'office, parce que rouge, bleu, jaune, vert. Ouais, c'est celui de gauche j'en suis sûr, parce que c'est pas le A qui est bleu, c'est le B. Ouais, ça je le savais. C'est un logo que j'ai vu pendant des années. Et honnêtement, ouais, ça va. Alors, AliExpress. Alors, attends, qu'est-ce qui change? Donc, on a Ali en rouge ou Ali en jaune? Ben, je dirais Express en rouge, ouais. Je dirais celui de droite. Je sais pas vous, mais je dirais celui de droite, ouais. Moi. Ouais, c'est bon, ouais. Je sais pas pourquoi il y en a où ça va, c'est facile. Ah là, c'est d'office celui de gauche, parce que c'est... Alors là, je vous explique le petit truc, pour ceux qui savent pas, c'est d'office celui de gauche, parce que... Enfin, vous allez me dire, ça pourrait être celui de droite, hein, mais... En fait, le principe, c'est que c'est Amazon, ils vendent tout de A à Z, il n'y a pas d'intérêt que ça revienne à A en fait, donc ça d'office, je sais que c'est celui de gauche, et en plus ça fait un petit sourire, et on voit que celui de droite il est un peu foiré sur la petite flèche, donc non, j'avais bon. Alors là j'ai envie de dire celui de droite, mais je connais pas du tout la marque, ouais. De base, j'aurais fait celui de droite, je vois pas l'intérêt de voir celui de gauche, en fait. Je connais pas, je sais pas du tout ce qu'ils font.
Ah ah, Netflix, attends. Ah, il y a le i ou il n'y a pas le i. Ça, c'est malin. Pour moi, tout est en majuscule, donc j'ai envie de dire celui de droite. Mais en même temps, non, le i avec le point, il fait bizarre quand même. Et le i majuscule, c'est d'office une barre. D'ailleurs, on s'en tape des barres. Non, pour moi, c'est celui de droite d'office. Ouais, c'est ça. Alors là, c'est bien parce que c'est parfait, ce logo-là, c'est parfait parce que je ne connais pas du tout, mais pas du tout, ce logo. Mais de base, j'aurais fait celui de droite. Pourquoi ? Parce qu'il contraste mieux que celui de gauche. Par contre, il fait quand même un peu penser à une marque pour du beurre. Alors, verdict. Oh, elles sont longues, tes secondes logo. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, ça, je sais que c'est celui de gauche, parce que je vois pas l'intérêt de l'avoir mis en violet. C'est certainement pas du violet. Je connais pas... Enfin, si, je connais cette marque. Mais je ne vois pas l'intérêt de le mettre en roux, en violet, donc oui, c'est d'office celui de gauche. Voilà, ça, je savais. Alors... Ah, les lettres. Ah, je dirais celui de gauche. Ouais, parce qu'en fait, celui de gauche, c'est pas vous. Enfin, je suis en train de me justifier alors qu'il y en a... On s'en fout, ça va. Pourquoi ils ont mis des points au-dessus? Ça me paraît tellement bizarre. Non, enfin, ça se voit que c'est pas le bon, quoi. C'est celui de droite, oui. Gap. Non, justement, c'est celui de droite aussi. Il n'y a pas d'intérêt à avoir un logo aussi... Non, c'est celui de gauche. Putain, mais non. Attends, c'est une blague. Possible. Il est aussi écarté. Attends. Je suis sûr que non. Logo. Ah oui, il est méga... Tu fous de ma gueule, là. Hein. Tu fous de ma gueule complètement, hein. Entre ça, où les lettres elles sont à 1 km d'espace, et ça, non, non. Ouais, bon, ok, d'accord, ok, c'est pas super, c'est un peu plus rapproché que là, d'accord, là. Non, ok, d'accord, oui, mais enfin, bon, c'est pas du jeu, hein. Alors, de base, je dirais vers la droite, American Eagle Outfighter. Ouais, alors, de base, je dirais vers la droite, pour la... Enfin, celui de droite qui regarde vers la droite, pour la simple et bonne raison qu'en général, on fait aller les logos, enfin, on fait regarder les logos vers la droite. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, c'est... Chez nous, en Occident, ça représente de gauche à droite. La droite, c'est le futur, donc c'est l'avenir, c'est bien, c'est... La gauche, ça fait... C'est l'histoire, c'est le passé, quoi, c'est... Moi, je dirais celui de droite. Je sais pas vous, mais moi, je dirais celui de droite, ouais. Et du coup, verdict... Non, mais... C'est quoi... Mais pourquoi il regarde à gauche? Ça n'a pas de sens. Forever 21 ou... Alors, moi, je dirais celui de droite, parce que je vois pas l'intérêt de le mettre sur deux lignes. Mais je connais pas cette marque, donc je n'en ai aucune idée. Voilà, donc... C'est... En fait, les marques que je connais pas, je le fais bien, et les marques que je connais, je le fais pas bien. Alors, coach. Et vu le type de logo, j'aurais bien fait celui de gauche. Celui de coach. Je sais pas. Ouais, voilà. Je connaissais pas. En fait, tout ce que je connais pas, c'est logique, et ça, c'est d'office celui de gauche aussi, parce que je connais. Je vois pas l'intérêt de mettre le « et » comme ça, en fait. En fait, il y a des règles en logo qui fait qu'il faut un peu pouvoir justifier pourquoi on fait les nouveaux. Ah, ça, je connais. Je n'ai rien, mais rien en Puma, rien, mais rien, pas ça, hein. Mais je connais le logo parce que je sais que... Ils montent comme ça de nouveau, ils l'ont fait aller vers la gauche, mais enfin bon, c'est pas grave. Ils montent comme ça, en fait, c'est une montée ou une descente, je sais pas, et puis pouf, ça remonte. En fait, il est... En plus, il a une vachement longue queue sur l'autre. Je suis certain que c'est celui de droite. Ouais, bah voilà, oui, c'était évident. Banana Republic et Banana Republic. Alors, je sais pas ce que c'est comme marque, mais j'aurais bien fait, j'aurais bien fait celui de gauche pour qu'on voit une banane, parce que celui de droite, ça fait un peu trop vêtement, je trouve. Je trouve que ça fait trop vêtement. Donc, du coup, j'aurais fait celui de droite.
Celui de gauche. Ouais, bah de toute façon, j'ai raté parce que j'ai dit droite, mais je voulais dire gauche. Alors, guess, non, il est. C'est celui de gauche, je dirais, parce qu'il me semble pas qu'il est aussi espacé. Ouais. Je le sentais, ouais. Donc soit on a une couronne et il est orange, je sais pas ce que c'est. Un Tom Ford, Tim Ford, oui, forcément, si en plus je ne le dis pas bien. Lewis, va te faire foutre. Oh, je sais pas pourquoi, je l'aurais bien vu orange, ça donne bien. Orange, ouais, gauche. Ah bah du coup j'avais tout à fait bon, hein, c'était bien celui de droite. Alors Hermès, oh là là, alors Hermès je dirais celui de droite, parce que c'est plus, ouais, ok. Kappa, c'est quoi la différence? Ah oui, non, ok, j'ai compris, en fait c'est dans les deux petites madames, je sais qu'il y en a une qui regarde un peu plus vers le haut, y a pas d'intérêt à faire un truc, pour moi c'est celui de droite, ouais, voilà. Alors, converse ou converse? Alors, je vois pas l'intérêt de faire une étoile pareille. Donc, je sais pas. Donc, pour moi, c'est d'office celui de gauche. Laisse tomber. Voilà. Celui de droite ne me paraissait pas normal. Uniqlo ou Uniqlo? Ah, j'aurais fait le rond, celui de droite. Non, mais non. En fait, je suis nul. Ou alors, c'est eux qui sont nuls. Alors, Walmart, j'ai pas l'intérêt d'en mettre que 5. Donc, je vais dire celui de droite. Ouais, voilà, celui de droite. Bon, je me dis un peu tard, je suis d'accord. Crocs ou Crocs avec l'accent ou pas? Bah, je sais pas, moi j'aurais pas mis parce que ça alourdit le logo, donc j'aurais mis juste haut normal sans le tréma. Celui de droite, ouais, c'est ça. C'est bien ça. Alors, j'ai pas du tout compté mes points. Alors, target ou target? Alors, je pense. Voilà. Elle vous démerdez. Non, je dirais celui de droite, pour la simple et bonne raison que je vois pas l'intérêt de faire un truc aussi large. Ça doit être vu de loin. Ouais, celui de droite. Ouais, voilà. Je suis content. Alors, New Balance. Alors, le pire, c'est que j'en ai. Ah ouais, ils ont rajouté des trucs. Par contre, c'est mal fait, le logo. On voit clairement que c'est pas le bon, hein, à gauche. C'est clairement celui de droite. On voit qu'il y a des... Ici, il y a des petits défauts. Limite, faites ça bien, hein. De North Face ou de North Face? Alors là, je suis quasi certain que c'est celui de gauche. Je ne vois pas l'intérêt de mettre un comme ça. Rouge, enfin, je veux dire de le retirer. Vous allez me dire, j'ai déjà dit ça pour d'autres trucs et je me suis planté. Donc finalement, l'un dans l'autre, on verra bien. Et c'est celui de gauche, voilà. Je suis content, j'ai pas du tout compté mes points. Ah ah! Je sais pas pourquoi celui de droite me parle mieux. Ouais, je veux dire, je connais pas du tout le. Enfin, si, je l'ai déjà vu, bien sûr. Tout. Qui n'a pas vu de BM? Ouais, je dirais celui de droite. Ouais. Il me parle mieux. Ah ben voilà, c'était celui de droite, évidemment. Ah oui, là, c'est facile comme tout, hein. Honnêtement, c'est celui de gauche. Là, limite, j'ai même pas envie de répondre. C'est une marque. Eh ben voilà, cette vidéo s'arrête là. Je vais mettre mon score qui s'affichera ici, parce que je le connais pas, hein. J'ai pas du tout compté ce que j'avais fait, donc je vais le faire au montage. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez plus ou moins que moi. J'espère que je vous ai peut-être un petit peu perdu avec mes logiques absurdes. J'ai essayé d'être fair play, dans le sens où je donnais la logique avant qu'on trouve le logo. Sinon, ça fait un peu trop facile. Voilà, moi, ça m'a plu. C'est ici que ça s'arrête. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo. Ça me fait plaisir. Ça me soutient bien. Et vous abonner si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à me retrouver sur les différents réseaux sociaux. Instagram, Twitch, TikTok, bien sûr. Hein. TikTok, Facebook. C'était Lewis. On se dit à très, très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, les amis.